Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un dessert citronné à faible calorie. Donc ça va être tout simplement des crèmes dessert au yuzu. Donc pour cela, il va nous falloir eh bien, de la maïzena ou de la fleur de fécule de maïs, comme vous voulez. Du lait, 500 ml de lait. Du sucre, 60 g de sucre. Et puis forcément, eh bien, du yuzu, donc du yuzu en poudre que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Donc on va commencer par mettre le yuzu dans la casserole. Donc alors le yuzu c'est très très fort, c'est un puissant pouvoir. On va en mettre qu'une petite cuillère à café pour 500 ml de lait, on va mettre ceci. Voilà, c'est vraiment un super goût, donc il ne faut pas trop en mettre parce que sinon ça va pas passer. Donc vous mettez votre poudre de yuzu, vous mettez les 60 g de sucre et puis la fécule de maïs. Donc la fécule de maïs, on va mettre 3 cuillères à soupe. Alors il est tout neuf, j'ai oublié de le déballer avant, tant pis, c'est pas grave, je vais le déballer en direct. Hop, donc 3 cuillères à soupe là. Alors là, j'ai pas encore allumé mon feu, hein. C'est juste pour mélanger les poudres. Donc ensuite, on va ajouter le lait, donc petit à petit, pour mélanger, pour avoir un mélange bien homogène. Comme d'habitude, j'en mets partout. Ça, c'est Pierre Richard qui revient. Donc voilà, vous mélangez bien et ensuite on va tout simplement porter le tout à ébullition. Hop, je vais nettoyer mes bêtises. Alors il faut surtout pas arrêter de remuer quand vous faites des crèmes, hein, sinon ça va coller au fond de la casserole. Donc vous remuez bien, vous portez à ébullition. Et quand c'est à ébullition, eh bien, on va laisser 2 minutes sur feu moyen pour laisser épaissir le tout. Je sentais si ça avait une odeur, mais pas encore. Ça sent plus le lait froid qu'autre chose. Donc, on va laisser porter à ébullition quand même avant de continuer à remuer. Là, ça bouillonne un petit peu. Ah, ça commence. Oh là là, ça commence à sentir bon. On sent le yuzu qui arrive là. C'est une super odeur. Pour ceux qui aiment tout ce qui est agrumes, citron, etc. C'est vraiment le top. En plus, c'est des crèmes allégées. Donc là, on va réduire notre feu et on va laisser 2 minutes à feu doux. Donc voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas de minuteur incorporé à leur plaque, hein, vous mettez un petit minuteur à côté ou vous servez de votre téléphone tout simplement. Mais il faut bien... Oh là là, ça sent trop bon. C'est une super odeur. Alors pendant que je vais mélanger ça, donc vous avez préparé bien sûr des petits pots. Alors moi, ils ne font pas tous la même taille, hein, mais ça, c'est pas très grave. Donc pour ensuite verser la crème dedans. Et ensuite, on les laissera refroidir un petit peu et on les placera au frigo jusqu'à la dégustation. Donc,
Donc voilà, comme vous voulez. Moi, par exemple, je l'ai fait là pour ce soir. Donc, ça laisse le temps à la crème de prendre. Donc, ma petite astuce aussi, si vous voulez, c'est qu'on peut saupoudrer. Alors, soit donc quand les crèmes seront prêtes à la dernière minute, vous pouvez soit saupoudrer de cannelle parce que ça se marie très très bien, ou du mélange pain d'épices en fait, qui est idéal pour tout ce qui est gâteau, yaourt, dessert, crème, etc. Donc vous pouvez le saupoudrer dessus, ça va très très bien se marier avec vos crèmes. Donc il contient de la cannelle, de l'anis vert, du gingembre, du girofle et de la muscade. Donc voilà, ça fait des petites crèmes sympas, même si vous invitez du monde, ça peut être un dessert sympa. Bien sûr, il faut que vos invités aiment tout ce qui est citron, quoi. Donc ma crème, elle est pas mal. Elle épaissit, donc elle a une belle couleur. Oh, ça sent bon, ça sent vraiment très très fort. Et pourtant, vous avez vu, j'en ai mis à peine une cuillère à café. Donc vraiment, ouais, faites attention au dosage parce que ça dose vraiment très très fort. C'est la première fois que j'en fais, donc je vous dirai si elles sont bonnes ou pas, il n'y a pas de raison. Moi j'adore tout ce qui est agrumes, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Donc pendant que ça termine, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche surtout pour avoir toutes les vidéos qui arrivent en temps et en heure. À me suivre sur Facebook, donc j'ai un groupe spécial où j'explique toutes les épices, etc. Et où vous avez le lien sur ma boutique en ligne. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Donc sur Instagram, je mets un petit peu moins de choses, mais voilà, vous pouvez me suivre. Donc là, mes crèmes, enfin je vais y arriver, ma mixture on va dire est prête, donc je vais la mettre dans les ramequins et puis on n'aura plus qu'à la mettre au frigo. Donc voilà ce que ça donne, petite crème au yuzu. Donc voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite et puis je vous souhaite une très bonne journée. Bisous.